tu filmes pas la place du casino, Lucas? On est un peu loin là. Mais si tu veux, j'y vais, tu fais le tour et moi je vais à la place du casino. Je pense que le moteur est tellement modifié qu'il doit lui donner de l'air. Non, non, juste, je crois qu'il a pas fait exprès en fait. Ouais, il a dit l'ouvrir. Que c'est pour que la pompe refroidisse, sinon ça va pas se passer. La pompe? Wow, comment il est passé en Porsche. Comme Moïse. 100%. Toi, tu kiffes les BM en ce moment, t'es bien. Hein. En ce moment, entre les BM et les RS3, t'es servi toi. M4, RS3 850 chevaux. Tu veux tirer le câble? Ouais. Sinon, là, il y a une petite finition. Je pense que c'est du plastique, mais on dirait un peu d'une imitation, un peu aluminium, je sais pas quoi là. Un peu brossé, mais bon, voilà. On est sur les hauteurs de Monaco, ouais. Les amis, on va monter un peu dans les hauteurs de Monaco là. Et puis on va partir un peu de l'arrière là. Je vais essayer de me mettre à l'extérieur pour vous filmer, mais il n'y a pas de lumière. Du coup, je vous avoue que on verra pas grand chose. Mais voilà. Parce que moi, je suis pas un grand fan de l'envoi en enfer en passager. Je vais pas vous mentir, les gars. Moi, je préfère être soit au volant, soit ne pas être dans la voiture. Contrairement à Lucas qui adore être derrière. Combien de diesel? C'est pas un diesel. Si vous voulez des fonds d'écran de qualité. Contactez-moi. À combien le diesel? C'est pas un diesel. S'il faut, c'est le diesel, j'ai mis un accident. Ensemble. Attends, frérot, t'as pas fermé le coffre de... Ouais, bah. Le diesel, c'est 1,75€ ici, 95, 1,05€. 1,50€. 95,10€, c'est vraiment de la merde. 98, ils ont que le début d'après, mais après, il n'y en a plus. Au début de la turbine, il n'y a pas un moment où il y a un lampadaire dans le virage? Je vais me mettre dehors après. Le pop, incroyable. Ah ouais. C'est quoi comme voiture? M140i. Il tue le fond d'écran avec la chiron, il veut l'avoir. Bah allez sur la story de Lucas les gars. Je l'ai pas mis encore, mais je... Tu l'as pas mis encore? Ça patine pas trop quoi. Après nous on avait testé une M4 de 600 chevaux et avec des bons pneus en propre tu patines pas quoi. Ouais il avait mis des jantes un peu plus grosses avec des gros pneus et ça passait tout au sol. Hein. Il est bien attaché en bas. Ah, c'est le macan bleu, jaune bleu. Je l'ai fait soudé à la main. Ouais. Cousu main. Il a changé les pneus combien de fois? 4000 km. Je suis en train de... Tu fais 4000 bornes avec? Ouais. Ah ouais. Mais t'as vu quand le tube il résonne, t'as l'impression que c'est le RS3 qui fait des balles en bas. Ouais, mais le RS3 c'est un bruit bizarre. Genre, c'est juste en dessous de toi, tu te dis merde. Je comprends pourquoi tu veux un RS3 de 800 chevaux. Tu veux toujours plus en fait. Et là elle marche pas bien parce qu'elle est de 95. Ouais, ouais j'imagine. Putain comment ça passe au sol, c'est un délire. 4000, ah oui quand même, ouais. Alors c'est la vraie combustion. Merde! Genre là il y a de la lumière. Merde. Je crois que c'était la police. What? Ah ouais d'accord.
C'est la première fois que je suis dans une voiture qui drift. C'est plutôt plaisant, j'avoue. Mais c'est comme quand tu tires le frein à main, tu sais, genre t'es, il se passe rien. Enfin genre tu flottes quoi. Là tu mets pas le frein à main en plus. Non, mais on a pas besoin là. Ça bloque pas de toute façon. La batterie là, petit coup de deuxième. Appel contre appel. J'ai envie d'acheter ça comme voiture, putain. Ouais, je pensais que là il y avait un lampadaire, tu vois. Mais non, il y a pas. Quel dommage. Ah, ça, c'est toi les traces en fait là. Où il y a la lumière en fait. Ça va Nathan? Ça va. Ça tient. Ça s'arrête pas, c'est un truc de ouf. Tu vois la M4 là, elle bougeait pas. Ouais. Avec les gros pneus, les combinés filetés et tout là. Ouais. Mais après la M4 tu la fais moins drifter facilement je pense que ça du coup. Putain, le moteur il est incroyable. Des fois que je vois passer au ferment et tout, je me dis c'est quoi ce truc. Demande-lui s'il peut me faire un tour un jour, il est fou. L'envoie en enfer en drift. Merde, le bruit légèrement encore. Putain. Ça va, là c'est une planète tranquille. Tranquille. T'as avec la M5 toi tu vas faire des dingueries. M5. Hein. Mais M5 tu vas avoir que des problèmes si tu roules comme ça, non? Ouais, je sais. Après c'est la passion, ouais. T'aimes pas la M3 92? Si. Mon père il en a déjà une, bon vendu. C'est un peu plus fiable, non? Ouais, mais. Enfin t'as quelques soucis, mais. Ouais, après, ça avance pas, c'est un peu. Quoi? Ça avance pas, ça. Réellement, tu mets un compresseur. Ah oui, ça va. Mais, si mais M5 ça avance bien, parce que en soi avec le gros V10 et tout. Je pensais vraiment pire. Avec un compresseur, tu fais 380 km/h. Hein? Ouais, à l'origine ça fait déjà 340. Mais c'est combien de chevaux d'origine? 507, mais en fait c'est Atmo, donc ça a une tonne d'allonge. Ah c'est ouais. Pour ça à faire ça. Ouais. Quelle couleur? Non, intérieurement. Sobre. Ouais, sobre. Ok. Jante grise, comme celle-là en fait. La même copie. C'est bien. Putain. Comme ça, j'ai les deux. Ouais, si tu prends le RS3, ça va pas être la même chose du coup. Tu pourras pas l'envoyer en enfer. J'ai un Dex Control, voilà. Il sort la journée. Je crois qu'il y en a qui veulent trop prendre un tour en M140. C'est le genre de voiture, t'as vu, on en parle pas. Bah, je savais que ça se préparait bien. Là, c'est plutôt pas soft, tu vois. Tu mets un turbo, ça fait. Ça fait 100 fois, tu vois, c'est incroyable. C'est pas juste avec la reproc, tu prends 100 chevaux. Pas juste avec la reproc, tu prends 100 chevaux, un truc comme ça. Pas d'accord. Ah, salope, putain. Mettre dehors, en haut. Là, je pourrais me mettre dehors, là, non? Là, je peux grave me mettre. Ah, ouais, là, faut que je me mette dehors. Attends, faut que je. Faut qu'il fasse des allers-retours. Même là, hein.